Et monsieur, quel est votre joueur préféré? Christian Mbappé. Il joue dans quel club? Inter Milan. Vous vous sous le fond des rats, qu'est-ce qu'il voit? Vous vous dans la galerie, oh mon Dieu. Quel est chéri, je le connais. Oh! Vous appelez qui sont? Vous! Mais il n'y a pas de son parmi nous. Vous n'êtes pas sélectionneur? Oui, mais on a nos propres noms. Mais alors, c'est la même famille, non? Vous tous les sélectionneurs, quand ta mère t'appelle pas au nom de ton frère, tu ne réponds pas. Même si c'est le cas, c'est quelle façon vulgaire d'appeler les gens ça? Je m'en excuse pour cela. Oh. Oui, en quoi puis-je vous aider? J'ai appris que vous avez pris deux petits au 2-0 hier pour jouer à l'étranger. Oui. Vous m'avez loupé. J'étais à l'église. Oh. C'est à 18h, c'est dimanche, 18h, les rendez-vous, moi et les petites. Sélectionnez-moi. Ah, vous êtes un passionné alors. Amoureux à la limite. Je respecte. D'accord. Par curiosité, on va vous poser quelques petites questions basiques dans le domaine. D'accord. Sentez-vous à l'aise. Je vous appelle comment? Pépé. Je n'ai pas demandé votre dossard. Eh oui. C'est pas mon dossard, c'est mon nom. Pépé, comme c'est le Parisien. Bref. Bon, et quel est votre joueur préféré? Christian Mbappé. Bizarre. Il joue dans quel club? Barça. Monsieur, vous êtes sûr de ça? Très. Quel est votre meilleur gardien? Vinicius Chouameni. Si, c'est une seule personne. Seule. Jésus m'aime, je le sais. Il joue dans quel club? Inter Milan. Avant de continuer, profite du meilleur code promo. Nel 200 crassettes à ta première recharge. Ah. Bref, vous en connaissez un peu trop. Vous êtes sûr d'avoir les compétences pour être un bon footballeur? Je m'en gagner quoi, hein? Ah. Même dans la Bible, on dit qu'on est ton père et ta mère. Il veut venir mentir. Okay. Non, mais nous ne sommes pas tes parents. Qu'est-ce que vous en savez? Je ne ressemble même pas à mon père. Si vous voulez, je... Non. Bref, on va t'accorder le bénéfice du doute. Dis ça! Impressionne-nous. 50 comptes. Avec la tête ou avec le dos? 50 comptes avec le dos? Tu n'as jamais vu. On aimerait bien voir avec le dos. Ok. Tout ça, c'est le manga. Hein? Bon. Le gang. Ça, c'est le manga. Ouais, le gang. La saison privée ici. Mais. Vous avez mieux vos entraînements. Bon dérange. Qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, les grands contrats se signent autour d'un pot. Alors je vous offre deux bières ici au bar chez Masso. Désolé, nous ne consommons pas d'alcool. Et vous, vous buvez? Yeah! C'est comme si vous demandez à un chrétien s'il aime le Seigneur. Plus buvant que moi au quartier, il n'y a pas. Si elle va pas au moins 7 bières par jour, c'est que j'ai rien bu. J'ai bien défini ma 5e bière. Sans vous dire pas que j'ai bu, vous allez savoir. Pas la peine de continuer. Pourquoi? On ne consomme pas d'alcool. Yeah. Ok. Est-ce que je bois? Mais vous venez à peine de nous dire que vous venez consommer 7 bouteilles d'alcool. Je parle des remèdes. Moi, je suis remède. Remède. Je n'ai pas suivi à toi. Vous voyez que me prononcer alcool, je n'arrive pas. Oh. J'écoute ça. Voilà ce qu'on va faire. Je vais vous laisser mon mail. Ok, laissez le mail. En train de rire, même pas bonsoir. Tiens. Pour la TI, le gars se fâche et arrache le téléphone. Écrivez-moi le soir. Ok. Ton gars, c'est moi. À plus. Ou tu as quelqu'un d'autre. Vous vous sous le fond de la vie. J'ai appris à jouer. Vous vous dans la galerie, oh mon Dieu. Quel est génie. Chez Future Fiber, chaque visite est une expérience exceptionnelle qui renforce votre confiance. Les langues vont me tuer. C'est le jeune qui a la grosse voiture là. Yeah. Je prends où?
God have mercy. Hé, hey, mes égaux, chaque jour je sors frais comme ça pour aller faire les demandes d'emploi. C'est le jeune qui a la grosse voiture là. Yeah. Hey, on dit quoi, Japi? Les grosses. Je savais. Les grosses. Je danse. Oh. Avant de continuer, profite du meilleur que le promo. Nel 200 cassettes à ta première recharge. Allons-y, changeons un peu de rythme. Qui veut danser? Moi. Qui veut faire les shows? Moi. Qui veut sanga? Nous. Qui veut bouger? Moi. Les langues vont me tuer. Il y a de quoi croire la jeunesse. De cabotage. Ah. Jeunesse capable. Oh yeah. Langue d'or que moi y a pas. Je respecte. Une menace a été détectée. Dis ça. Je prends où? Vous vous sous le fond des rats, qu'est-ce qu'ils voient? Vous vous dans la galerie, oh mon Dieu. Mais, camarade de classe, je le connais. Chef de classe, c'est toi qui sens bon à distance comme ça là. Ravi de te revoir, comment tu vas? Mais ça fait longtemps. Une menace. Ouf. Je soutiens. C'est comme ça qu'on oublie ses amis. C'est comme ça qu'on oublie ses amis. C'est ta voiture? Bon. C'est l'un de mes taxis juste pour faire mes balades. Tu pars de quel côté? Je pars à soi. Net. C'est là-bas que je pars. Ok, viens, je te dépose. Allons-y. Ok, on part. Délinquant que tu pars en classe, il n'y avait pas. Moi, je t'appelle à se nommer délinquant juvénile. Moi, chef de classe, je marche à pied. Délinquant juvénile, coule dans grosse voiture. La vie. Mais attends, qu'en est-il des appels que tu faisais chaque jour en classe? Il était ton chef de classe de 6ème en 4ème, non? Oui, je le sais, c'est pour ça qu'il te demande. Tu as eu 400 heures d'absence en fin d'année. Ah, pour ça, tu me mettais les heures d'absence même le jour férié. Comme bien, hein? Comment? Non, tu étais trop délinquant. J'ai pris l'initiative que si ta mère a raté ton éducation, moi, je ne vais pas te rater. En tant que qui? Ton chef de classe. Waouh. Mais c'était sa mauvaise intention, hein? Je voulais juste te laver le cerveau pour que tu te concentres sur l'école. Tu sais que c'est à cause de ça qu'on m'a envoyé en 4ème, non? Et alors? Toi qui roule la grosse voiture, c'était pour ton bien. Et toi, tu as fait quoi pour ton propre bien? Je me suis occupé de vous. Salade. Tu n'es pas reconnaissant, hein? Tu voulais que tu me déposes à soi. Les laisse au bavardage. Ferme ta bouche avant de me déposer. Sous le fond des rats, qu'est-ce qu'ils voient? Vous vous dans la galerie, oh mon Dieu. Y aller. Quel est chéri, je le connais. C'est de l'autre côté. Ah, l'autre côté, ok. L'autre côté. Coucou. God have mercy upon us. Oui, chef de classe. Ici est bloqué. C'est pour faire quoi? En train de m'asseoir. Allô? Ok. Prends le vide. C'est pour faire quoi? Pas faire l'appel. Dis ça! Oh! 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 Je vais te mettre à attendre tout ce mois. Hey! J'ai oublié qu'on est la vraie vie. En classe, c'était chef de classe. T'as la vraie vie, c'est chef foiré. Ouais! On dit qu'après la pluie, mais le beau temps. Ma peine de pluie, ça n'arrête jamais. Il pleut jusqu'à les glaçons sortent que c'est ça. Non. Mais vraiment, dans la vraie vie, vous avez vu un chef de classe qui s'en sort. C'est rare.